Fan de BD, de manga ou du 9e art en règle générale, bienvenue chez Fanfula. Bonjour Christophe, nous voilà chez Fanfula, l'occasion de nous décrire un petit peu ce qui se cache derrière cette boutique. Oui, donc Fanfula, je vais quand même expliquer en vitesse d'où vient mon nom, parce que souvent on me demande, mais Fanfula c'est un nom inventé. Non, Fanfula c'est un album d'Hugo Pratt, donc qui est un de mes auteurs préférés. Je suis là depuis 21 ans, donc je voulais consacrer cette boutique au 9e art, parce que je suis passionné depuis mes 18 ans. Vous êtes également actif sur les réseaux sociaux, vous avez une page Facebook, donc les clients qui souhaiteraient commander ou avoir un peu d'informations sur un ouvrage peuvent vous contacter directement ? Oui, donc j'ai une page Facebook sur laquelle j'annonce régulièrement des événements. Je fais régulièrement venir des auteurs sur place, donc pour des séances de dédicaces. Et ensuite, les gens ont la page Facebook pour des recherches bien particulières, parce que je fais aussi bien de la BD neuve que de la BD de seconde main. Donc la BD de seconde main, c'est plus pour les collectionneurs, pour des gens qui cherchent peut-être des titres bien précis. Et alors ensuite, les auteurs que moi j'invite, bon, voilà, c'est une rencontre assez particulière et privilégiée entre un auteur et son lectorat. Bien, merci Christophe de nous avoir accueillis dans cette charmante boutique du piétonnier et je vous dis à bientôt.